Les vaccinés restent contagieux. C'est ce que dévoilent des études américaines. Les scientifiques américains rappellent tout de même que les vaccinés ont trois fois moins de risques d'être contaminés. Mais parfois, les symptômes peuvent être difficiles. Anne-Livia les yeux cernés et la voix encore fatiguée, Nicolas se remet doucement du Covid. Doublement vacciné en juin, ce jeune de 28 ans se pensait totalement immunisé contre le virus avant de l'attraper il y a trois semaines. Je suis resté couché deux, trois, quatre jours, très mal à la tête. Ça m'avait jamais tapé comme ça dans le cerveau. Ce qui est sûr, c'est que grâce au vaccin, je me suis évité des formes beaucoup plus graves, un passage en réa. J'ai échappé à pas mal de choses quand même. Ces deux doses, il ne les regrette donc pas du tout. En revanche, il reconnaît qu'il n'aurait pas dû relâcher les gestes barrières. Je me suis dit, j'ai mérité ma liberté. je peux Enlever mon masque plutôt quand je sors de la bouche du métro, en ne mettant pas de gel, en me disant c'est bon maintenant j'ai mis assez de gel sur mes mains, j'ai le droit de plus en mettre. Alors, en fait, j'étais en train de répandre le virus de partout. Non, le vaccin n'empêche pas de transmettre le virus, rappelle Morgan Bomsel, immunologue et chercheuse à l'Institut Cochin. Il faut faire attention, on n'est pas protégé de l'infection, on n'est pas non plus protégé de la capacité à transmettre. Est... Le fait d'être vacciné diminue de 20 fois la possibilité de développer des maladies graves. Elle invite donc les vaccinés à ne pas baisser la garde même après la deuxième dose du vaccin.